Ça y est, la 5G est arrivée en France. Mi-décembre 2020, les quatre opérateurs télécoms du pays ont activé la cinquième génération de leur réseau mobile. Cette nouvelle technologie promet un plus haut débit, un temps de latence réduit et une meilleure densité de connexion. Des termes un peu barbares qui peinent à convaincre une partie de la population française face au coût écologique de ce progrès. Malgré leurs objections, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Malgré ces déclarations, le gouvernement souhaite éviter le passage en force face à la multiplication des demandes de moratoire au niveau des municipalités. Résultat, à l'heure du lancement du réseau, moins d'un quart des communes françaises sont concernées. Même Paris a décidé d'attendre. Reste que selon le plan gouvernemental, les quatre opérateurs SFR, Bouygues, Orange et Free ont jusqu'à 2030 pour couvrir l'ensemble du territoire, en partenariat avec des équipementiers comme Nokia, Ericsson ou Huawei. Tous ces acteurs étaient réunis début décembre au Palais Brongniart pour le sommet figital de l'IDAT, un groupe de réflexion sur l'avenir du numérique. Et la 5G était au cœur des discussions. Il y a sans doute dans le débat français un angle d'attaque qui n'a pas été le bon, il faut le reconnaître. Et c'est sans doute d'ailleurs la responsabilité de nous tous, hein, aussi industriels, et sans doute aussi des médias, si je puis me permettre, d'avoir peut-être posé avant tout le débat autour de la connexion des citoyens, là où l'enjeu principal de la 5G est industrie. Cette industrie, c'est l'industrie 4.0, autrement dit la quatrième révolution industrielle. Après la machine à vapeur, l'électricité et l'électronique, la connectivité des modes de production avec l'Internet des objets serait la technologie disruptive de notre siècle. L'idée est simple, les capteurs installés sur les machines permettent de collecter et de traiter des données en temps réel qui peuvent optimiser leur performance mieux que des humains ne le feraient. Mais la 5G ne serait qu'un pan de cette connectivité accrue et surtout la technologie, comme ses applications, n'en sont qu'à leur début. La 5G telle qu'on la connaît, c'est-à-dire 3.5, 3.7 GHz, va être une évolution, pour reprendre les termes de Steve Jobs. Les fréquences millimétriques vont être une révolution. En France, la 5G va être déployée sur trois bandes de fréquences. Les fréquences basses autour des 700 MHz, qui servaient dans les années 2000 pour la TNT et qu'on utilise aujourd'hui pour la 4G. La bande dite cœur de 5G entre 3,4 et 3,8 GHz, c'est celle qu'on déploie actuellement et qui constitue une nouveauté. Et enfin, les fréquences dites millimétriques, au-delà des 26 GHz, qui ne seront attribuées que dans 3 ans et qui étaient jusqu'à présent réservées à un usage militaire ou scientifique. Et ça, c'est la vraie révolution, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer en compétition avec les réflexes humains, parce qu'on aura un débit de 10 à 15 fois plus rapide, mais surtout on aura un temps de latence qui va être diminué de 5 ans par 50 ou 100. En 2020, la crise sanitaire a mis en évidence la fracture digitale en France, soit la disparité d'infrastructures sur le territoire qui fait que des zones dites blanches n'ont pas accès au réseau, tandis que des zones noires sont saturées. Selon les opérateurs, le réseau 4G sera saturé d'ici à 2 ans. Or, si la 5G ne résoudrait pas le problème des zones blanches, elle serait une solution verte pour désengorger les zones noires. La 5G, ça consomme beaucoup moins d'énergie et ça produit beaucoup moins de CO2 par rapport à la 4G. Mais la question après, c'est que quand on déjà le 2G, 3G, 4G, 5G et 6G, quand on a beaucoup de G après, est-ce qu'on doit éteindre l'ancien réseau? Parce que les gens, quand on utilise le 5G, on n'utilise plus le 2G. Parce que la 5G a beaucoup plus de fonctionnalités et performances que le 2G. Mais pourquoi aujourd'hui on doit toujours avoir un réseau de 2G tout allumé? Parce que c'est ça qui est en train de polluer. En effet, la France compte actuellement près de 40 000 antennes relais, dont 36 000 actives pour la 4G et 500 pour la 5G. Dans un premier temps, les antennes 5G viendront se greffer sur les installations 4G existantes, sauf que comme la portée des ondes de 5G est plus courte que celle de la 4G, il faudra bien finir par en installer plus. Un projet qui se heurte aux préoccupations sanitaires d'une partie de la population. C'est un problème de confiance dans la science aussi, et donc il faut essayer d'expliquer aux gens ce qu'est la 4G, qu'ils utilisent tous les jours sans en avoir vraiment peur, ce qu'est la 5G, les différences qui au fond ne sont pas énormes, et que donc il y a aujourd'hui, je crois, rien n'a jamais été démontré sur les dangers potentiels de la 5G. Des tests sont en cours dans de nombreux domaines, mais l'exemple le plus probant de l'utilisation de la 5G au quotidien sera sans doute celui des véhicules autonomes. À Saclay, ce concept futuriste est déjà devenu une réalité.
Selon une étude du groupe Gartner, ces véhicules représenteront à l'horizon 2023 15% de la flotte automobile et plus de la moitié de la bande passante de la 5G. Tecmo est le centre de test et d'homologation de référence pour les véhicules autonomes en France. On est allé faire un tour sur place pour voir où en est le développement de cette technologie. Je préfère parler de connectivité que de 5G, parce que finalement, la connectivité, c'est un capteur de plus pour le véhicule, pour voir plus loin, pour voir parfois au-delà de l'horizon, pour voir dans des situations où les capteurs embarqués ne peuvent pas voir. Voilà. Le constat de la Commission européenne, c'est que 90% des accidents de la route ont pour origine une erreur humaine. La connectivité des véhicules, assurée par le protocole CV2X qui leur permettrait de communiquer entre eux, serait donc un enjeu de sécurité routière. Sauf qu'en connectant les véhicules, se pose tout de suite la question de leur cybersécurité. Je travaille donc principalement sur les systèmes qu'on appelle les systèmes V2X, donc Vehicle to, donc X pour Everything. Et en fait, c'est tous les systèmes de communication derrière entre véhicules qui ont pour vocation justement à éviter des situations critiques, des situations dangereuses. On vient ouvrir un petit peu l'environnement de véhicule, on vient l'étendre, c'est-à-dire que les systèmes ne sont plus essentiellement embarqués, mais il y a également des parties qui sont débarquées. À ce moment-là, on a des interfaces sur lesquelles en fait, des personnes malveillantes peuvent venir attaquer directement le véhicule. Alors, le mât que vous avez ici, c'est l'antenne 5G. On s'en sert de plus en plus. Aujourd'hui, en fait, on a un peu quitté cette phase de recherche. On commence à tomber un peu plus dans la phase opératoire où on vient faire des essais fonctionnels sur ce type de système. Il existe 5 niveaux d'autonomisation des véhicules. Au niveau 1, le véhicule est équipé d'aide à la conduite. Au niveau 2, le conducteur peut laisser la main dans des cas bien particuliers, comme les parkings par exemple. Au niveau 3, le véhicule peut conduire dans des situations simples mais doit rester sous la supervision du conducteur. Au niveau 4, le véhicule conduit de manière autonome en toute situation. Et au niveau 5, plus besoin de volant, de pédale ou de conducteur dans le véhicule. Aujourd'hui, actuellement, on est en niveau 2. À partir de 2021, on peut commencer à espérer avoir des premiers systèmes de niveau 3 qui sont présents sur les routes. Alors, pas dans tous les cas d'usage. On peut, dans un premier temps, ce sera principalement sur autoroute, qui sont des cas d'usage relativement simples, comparés par exemple à des zones urbaines. Aujourd'hui, le véhicule connecté, le véhicule automatisé, c'est une des grandes tendances de l'industrie automobile et pour les années à venir encore, hein, puisqu'on en est au tout début au travers des aides à la conduite, mais ça ne serait tardé puisque la réglementation vient de paraître. En effet, la commercialisation des véhicules autonomes est devenue possible sur le marché européen depuis le 1er janvier 2021. La 5G est une brique technologique de ce projet, mais n'est pas la seule technique de connectivité, car plusieurs modèles sont développés, comme le Wi-Fi routier ou les solutions cellulaires point à point. De toute façon, d'ici à ce que des véhicules parfaitement autonomes soient mis en service, il y a fort à parier que l'on en sera déjà à la 6G, qui est d'ores et déjà à l'étude chez de nombreux équipementiers.